Je crois que c'est important d'être très réactif quand même pour repérer un changement dans le comportement. Donc, je vais vous parler plutôt des adolescents qui est notre cœur de métier. Mais donc, un changement dans le comportement avec des tris dans l'alimentation, avec une préoccupation corporelle, une envie intense qui est de plus en plus envahissante de faire un régime, doit interpeller, doit amener l'entourage, les parents en particulier, à prendre un temps en dehors des repas pour pouvoir en échanger avec la jeune fille. Ne pas hésiter à consulter son médecin généraliste pour essayer d'objectiver quelle est cette perte de poids, quel est le retentissement, comment la jeune fille le vit, est-ce que effectivement elle reste insatisfaite et préoccupée par son apparence ou au contraire qu'elle sent bien qu'elle est dans une difficulté. En tout cas, il y a vraiment un premier temps rapide où il faut se mobiliser, ne pas hésiter à aller voir un professionnel, en particulier donc son médecin généraliste, pour pouvoir faire un point sur la situation et voir quelle est la meilleure réponse à envisager en fonction de l'ancienneté du trouble et de son évolution et de la dynamique et la demande de la jeune fille.